Oui, merci, Monsieur le maire. Je saisis cette délibération pour essayer une fois de plus de stigmatiser la politique du logement social à Paris à travers ce qu'il est convenu d'appeler le conventionnement, qui est véritablement une idée sur laquelle il faut s'arrêter 5 minutes. Contrairement à ce qu'affirme l'exécutif parisien, la politique, déjà sur le plan géographique en termes de rééquilibrage, ne répond nullement à une logique de rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest parisien, parce que si vous regardez bien, l'écart continue de se creuser, mais tout ceci découle plutôt d'une volonté affichée de municipalisation du parc parisien de logement, dont on se demande jusqu'où elle pourra aller. La cartographie des logements sociaux à Paris témoigne de cette hétérogénéité des situations rencontrées localement. Je rappelle que 5 arrondissements de la capitale comptent plus de 25% de logements sociaux, alors que 6 présentent des taux inférieurs à 7%, et cette évolution n'a quasiment pas varié au cours de la mandature. Alors, cette politique du chiffre poursuit-elle un principe d'efficacité? Non plus, car elle est plus contre-productive qu'elle ne répond au problème de pénurie que connaît la ville, puisque plus d'une fois sur deux, elle s'est traduite par une opération de préemption ou de conventionnement sur les objectifs de 7 000 logements sociaux créés par mois. Ainsi, sur près de 250 000 demandeurs de logement d'un logement social aujourd'hui, en 2018, seuls 10 112 ménages se sont vus attribuer un nouveau logement. C'est donc chaque année plus de 95% des demandes qui ne peuvent pas être satisfaites, faute de logement possible. Et j'ajoute qu'au début de la mandature, il y avait 195 000 demandeurs de logement. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 250 000. On est censé avoir produit 60 000 logements et on a 60 000 demandeurs de logement supplémentaires. Alors, je veux dire, par là, c'est le tonneau des Danaïdes. Il faut savoir à un moment quel est l'objectif poursuivi et quelle est la recherche d'une réelle efficacité. Ça ajoute aussi qu'il devrait y avoir un impératif d'analyse de la demande de logement à Paris. Il y a évidemment derrière tout ça en cause un manque absolu de passerelles entre les différentes catégories de logements qui freinent la mobilité des locataires en fonction de l'évolution de leurs revenus et donc le parcours résidentiel à Paris, ou encore la trop forte segmentation du parc de logement social réparti entre divers organismes réservataires, entre l'État, les collectivités, Action Logement, et qui rend plus difficile la rotation des locataires aujourd'hui à l'intérieur du parc social. Voilà, tout ceci se fait au détriment de la production de logements intermédiaires, qui représentent aujourd'hui, à force de conventionnement, qui ne représentent plus que 13% du parc des bailleurs sociaux parisiens. C'est pourtant un levier dont dispose la maire pour maintenir à Paris des familles des classes moyennes et supérieures. Il faut avoir un petit peu de constance pour parler dans ce brouhaha, néanmoins, monsieur le maire, hein, si vous pouviez faire respecter un peu de silence dans ce Conseil de Paris. Je parle de ces classes moyennes, de ces familles, classes moyennes et moyennes supérieures, trop riches pour pouvoir prétendre au parc social, mais pas assez pour devenir propriétaires, voire parfois même pour accéder au marché locatif. Ces dernières sont aujourd'hui contraintes de s'exiler en petite ou grande couronne, face à un parc privé devenu totalement inaccessible. Si 63% des ménages parisiens sont éligibles au logement social, rien n'est fait pour ceux dont les revenus dépassent tout juste les plafonds de ressources. À l'exemple, par exemple, des familles avec un enfant à charge qui, avec 5 000 euros de revenus nets par mois, ne peuvent prétendre ni au parc social et subissent de plein fouet le manque de logements intermédiaires à Paris. Voilà. 3 milliards d'euros d'investissements consacrés depuis 2014 à une politique du logement à Paris. Il est dommage que l'exécutif ait uniquement gardé les yeux rivés sur le compteur du nombre de logements sociaux sans réelle recherche du principe d'efficacité et de disponibilité des logements ainsi produits. Je vous remercie.